Donc, je fais cette petite vidéo pour bonne nouvelle, mon câble fonctionne. Voilà, donc bon, là on voit l'autoradio. Ah, attendez, je vais vous montrer vite fait. Donc là, on a l'autoradio d'origine qui est posé un peu à l'arrache parce que bon, il reste quand même le câble qui arrive de l'afficheur qui est relié dessus et le câble de la clim hein, en bas derrière là. Je sais pas si on voit bien, bref. Donc là, on peut voir. Ça, c'est la prise qui arrive d'origine, vous voyez, tac, avec mon adaptateur au bout. Donc avec la partie qui revient se brancher au cul de l'autoradio là, la partie qu'on garde de l'autoradio donc. Et donc, ben là, on vient brancher donc à mon autoradio secondaire avec mes petits RCA au cul. Voilà. Et donc, je vais donc vous montrer que tout fonctionne tout de suite. Donc, tac. Bon, ça fait un petit bruit chelou hein, au démarrage, mais voilà. Donc, vous voyez, si j'appuie, je sais pas si on voit bien. Vous voyez, tout fonctionne. Je peux l'éteindre, rallumer les différents modes de clim, tout fonctionne. Voilà. Donc voilà, automatique, paf, voilà. Donc avec la température, on switch avec l'ambiance, voilà. Et donc je vais vous montrer que c'est bien mon poste qui marche là, quand même. Voilà, si je fais source, bon bah, USB, il n'y a rien. Tuner, bon, l'antenne n'est pas branchée. On entend bien que c'est la radio qui. Voilà. Hop. Voilà, donc tout fonctionne, je suis super content. Donc là, je vais remettre l'origine en attendant d'avoir une façade. Mais le câble fonctionne.